l'honorable Augustin Kabuya, président AI de l'UDPS, remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces durs combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser les gouvernements, la première ministre et les ministres à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement. Dans le contrôle parlementaire, c'est la dernière guerre. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans le Turi, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Retour sur cette primaire qui a conduit à la désignation du candidat Vital Kamerhe Lwakaninginikingi au poste du président de la Chambre basse du Parlement à travers ses reportages de Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko Aloma. Après plusieurs mois de suspense, la fumée blanche est apparue au terme des primaires organisées dans la famille politique de l'Union Sacrée de la Nation. Ainsi, Vital Kamerhe est le candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation au poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Il retrouve l'ambiance, sinon la chaleur des débats en plénière autour des propositions et projets de loi, les contrôles parlementaires. Par l'élection primaire de l'Union Sacrée conduite par le secrétaire général de l'UDPS et membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation, Augustin Kabuya, le député national Vital Kamerhe a recueilli de voix favorables, soit 183 voix sur 372 votants face à ses deux challengers, Christophe Mbosoko Diapwanga avec 113 voix et Bahati Lukwebo, 69 voix, 7 bulletins blancs. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union Sacrée, l'honorable Vital Kamerhe. Fort de ces résultats, le député national Vital Kamerhe conduit les tickets de l'Union Sacrée de la Nation à l'élection du bureau définitif de cette chambre législative. Il ne reste qu'à présent l'organisation de l'élection du bureau définitif par le bureau d'âge. La presse de ce matin est revenue largement sur la désignation du candidat de l'Union Sacrée au poste des présidents de l'Assemblée nationale. Notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou a parcouru ses tabloïds et nous propose ses résumés. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse dominée par l'élection de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union Sacrée
au perchoir de l'Assemblée nationale. La prospérité ouvre le bal et titre Vital Kamerhe vers la reconquête du perchoir de l'Assemblée nationale. C'en est complètement fini depuis hier mardi 23 avril 2024, écrit le journal. L'Union sacrée de la nation a jeté son dévolu sur Vital Kamerhe pour mener la barque à l'Assemblée nationale dans le cadre de cette quatrième législature. En effet, au terme d'une élection primaire serrée, le président de l'Union sacrée pour la nation congolaise a remporté la victoire devant Christophe Mbosso et Modeste Bahati sur un total de 372 votants. L'ancien vice-premier ministre en charge de l'économie a obtenu 183 voix, suivi de Christophe Mbosso 113 voix et de Bahati 69 voix. Primaire pour la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le champion de l'Union sacrée, renchérit pour sa part. Géopolis Hebdo. Pour le journal, la victoire de Vital Kamerhe sur les deux challengers est issue d'un processus qui a débuté le lundi 22 avril, lorsqu'Augustin Kabuya a rendu public un communiqué invitant les députés à la coalition majoritaire à cette élection primaire mardi au Palais du Peuple. Kamerhe s'engage ainsi à redorer l'image de l'Assemblée nationale et lui redorer ses lettres de noblesse. Perchoir de l'Assemblée nationale, 15 ans après, Vital Kamerhe est de retour notre Econews. Vital Kamerhe est appelé, sauf improbable déconvenu, à occuper le perchoir de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de reconnaître, dit le confrère, que Vital Kamerhe partait avec la faveur des pronostics. Son élection à la présidence de la Chambre basse du Parlement vient conforter ses partisans au sein de la plateforme AAUNC qui attendait de longue date un retour de l'ascenseur de la part du chef de l'État qui l'a servi en toute honnêteté et loyauté, nonobstant un parcours en dents de scie dans sa relation avec Félix Tshisekedi. Assemblée nationale, Vital Kamerhe est de retour, annonce 5RDC.com. C'est un retournement de situation qui fait trembler les murs du Palais du Peuple 15 ans après sa démission forcée suite à son opposition à l'entrée des troupes rwandaises sur le sol congolais. Kamerhe semble prêt à prendre les rênes de la Chambre basse. Un comeback orchestré avec brio, marqué par un discours poignant devant les députés de l'Union sacrée. En croire le confrère, l'élection de Kamerhe pourrait marquer un tournant dans la politique congolaise. Sa vision d'une Assemblée nationale forte et indépendante, ainsi que son engagement pour la transparence et la lutte contre la corruption, pourrait insuffler un vent nouveau au sein de l'institution. La ville de Kinshasa serait-elle sous la menace d'une crise des maniocs à cause de l'insécurité causée par la présence des Mobondo? La plateforme Bilangaya Beto a donné l'alerte à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a par la suite échangé avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, la COPEMECO et les jeunes entrepreneurs. Les comptes rendus avec Françoise Boilaboaki, Pompon Mba, Jonathan Bianga et Patrick Djoukoukou. Au cours de ces échanges avec les jeunes entrepreneurs regroupés au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, l'accès au financement, l'accès au marché et la formation, autant des sujets qui ont été abordés. La création des emplois. Et quand on parle emploi, on voit beaucoup plus le jeune. Pour nous, l'une des solutions, ramener tous ces jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, d'une part, mais d'autre part, bien accompagner et bien encadrer ceux qui sont déjà dans les formels, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, pour que leurs entreprises se développent davantage et qu'ils puissent contribuer exactement à l'assiette fiscale de l'État. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en face de la chef du gouvernement, le patronat congolais est préoccupé par l'amélioration du climat des affaires. Les hommes d'affaires attendent beaucoup du prochain gouvernement. La FEC attend beaucoup de choses de ce gouvernement. Je vous ai parlé tout à l'heure des climat des affaires. La FEC aussi attend d'être associée à tout moment quand il y a certaines décisions qui concernent le secteur privé seront prises. C'est bien de nous associer en amont. La COPEMECO, 35 ans d'activité aux côtés des PME, a présenté la situation du secteur et des dysfonctionnements qui freinent l'émergence de la classe moyenne. La coopérative soutient vivement le vote des lois.
Nous avons recommandé à Madame la Première Ministre de pouvoir mettre en place rapidement les mesures d'application de plusieurs instruments juridiques, notamment la loi relative à l'entrepreneuriat start-up. Nous avons la loi sur les tribunaux de commerce, ainsi que d'autres lois, et surtout redynamiser les institutions telles que les guichets uniques de création d'entreprises. La coopérative Bilangaya Betou, un réseau agricole des producteurs, transformateurs et consommateurs des produits locaux, travaillent pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons attiré l'attention de Madame la Première Ministre sur l'insécurité foncière. Des milliers de Congolais n'arrivent plus à accéder à leurs fermes, à leurs sites agricoles à cause de l'instabilité agricole. Instabilité foncière, pardon, qui risque même de provoquer une crise alimentaire du manioc à côté de celle du maïs qui existe déjà. Le cercle d'affaires pluriel qui encadre des femmes dans divers domaines soutient l'économie solidaire. On ne peut pas développer cette économie si on ne prend pas en considération les compétences des femmes, si on ne mutualise pas nos acquis et si on ne met pas ensemble les jeunes autour de la table. On ne peut pas avoir un gouvernement qui prend des décisions en excluant une partie de sa population. L'Association nationale des établissements et entreprises publiques ANEP vient après la fonction publique et l'armée en termes d'effectifs d'employés. Ce secteur demande à la Première ministre de renforcer la sécurité juridique de ses membres. On ne peut pas espérer créer les emplois et négliger les emplois existants. Et l'ANEP a besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État pour continuer à pérenniser les emplois qu'elle organise à travers ses multiples structures implantées dans toute la République démocratique du Congo. Les hommes et les femmes du secteur privé ont, de par leur domaine d'activité, une lisibilité du social et de l'économie. Une lecture nécessaire dont la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka a besoin en ce moment des consultations. Les questions sécuritaires également dans la province du Nord Kivu ont fait l'objet d'une réunion élargie à plusieurs acteurs sociaux. L'analyse de ces questions s'est focalisée plus sur la ville de Goma et ses environs qui accueillent les déplacés. D'autres précisions dans ces reportages. Lutte contre la criminalité et les banditismes en province du Nord Kivu, une réunion de sécurité mixte élargie aux structures communautaires, leaders d'opinion et à la société civile du territoire de Nyiragongo, des communes de Karisimbi et Goma, se tient au chef-lieu du Nord Kivu pour faire un diagnostic sérieux et proposer des pistes et des solutions à cette problématique. Démarrée à Goma ce lundi 22 avril 2024, ces travaux de 3 jours ont été officiellement lancés ce mardi 23 avril 2024 par le vice-gouverneur des provinces, Jean-Romuald de Kouka Lipopo, qui donne ici les objectifs de cette réunion à laquelle participent les représentants des déplacés de guerre. Au nom de son excellence le gouverneur de province, je vous ai convié à cette réunion en vue de contribuer au renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Goma et ses environs, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo, pour qu'enfin nous arrivions d'une manière participative et concertée à 3 objectifs. Le premier, établir un diagnostic sécuritaire en lien avec la recrudescence du banditisme armé, meurtre, assassinat, coups et blessures, kidnapping, enlèvement, viol et cambriolage à l'aide des armes dans la ville de Goma et ses alentours, notamment Mbambiro, Nzulo, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo. Deuxième objectif, produire un plan d'action d'urgence visant à résoudre de manière coordonnée le problème du banditisme armé dans ces entités citées. Troisième objectif, mettre sur pied un mécanisme inclusif de redevabilité, de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan d'action d'urgence. Signalons que ces assises sont appuyées par l'organisation VNG internationale. Ils sont également conviés les délégués des chefferies de Bachali et Baoundé.
Les messages d'appel à la discipline lancés par le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo a été répercuté à la réunion des commandements à l'inspection générale de la police nationale congolaise, une réunion présidée par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général Patience Mouchi Diave. C'est un commentaire de Cédric Eninambo. Quelques jours seulement après la parade mixte, Forces armées de la République démocratique du Congo, police nationale, les activités s'intensifient à l'inspection générale de la police. Dans la salle de réunion de cette unité de contrôle de la police, l'inspecteur général, Philemon Patience Mouchi Diave, fait la restitution de la parade tenue par le chef d'état-major général aux différents services. L'armée et la police a un seul responsable, c'est le commandant suprême. Et nous devons tous l'écouter et suivre ses instructions. Le FRDC et la PNC doivent constituer un seul corps et nous devons avoir le même esprit, insiste le chef d'état-major général. Nous devons éviter les comportements qui sèment la division, la tension, les affrontements entre les deux corps. L'inspection générale de la police nationale congolaise étant l'une des grandes structures de la police nationale, nous devons faire le suivi et l'exécution de toutes les instructions données en ce qui concerne la police par le chef d'état-major général, puisque vous connaissez notre mission et de veiller à l'application des lois. Au cours de cette rencontre avec les officiers supérieurs, directeurs et inspecteurs, le numéro 1 de l'IGPNC a ordonné la mise en marche de toutes les batteries pour combattre toute forme d'antivaleur dénoncée par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Les experts œuvrant dans les secteurs miniers veulent coordonner les processus décisionnels en matière des minerais stratégiques que regorge le sous-sol congolais. D'autres explications à travers ces commentaires. La RDC est un scandale géologique. Son sous-sol regorge bon nombre de minerais stratégiques. C'est le constat fait par les experts de trois ministères notamment, de la recherche scientifique, de mines et de l'industrie. L'exploitation minière et la commercialisation de ces minerais font l'objet des spéculations sur le marché international. Cela a une incidence négative sur l'économie congolaise, selon ces experts, comme le confirme M. Banza Kasongo Daniel. Les minerais stratégiques dépendent des époques. Aujourd'hui, avec la demande d'électrification de tout le système parce qu'on a besoin de voitures électriques, etc., les Américains l'ont classé comme un minerai stratégique. Mais les gisements de cuivre ont toujours été connus. Ce ne sont que des noms que l'on met en fonction des intérêts des pays consommateurs. C'était au cours d'un colloque sur la coordination des décisions géostratégiques et géopolitiques concernant les minerais critiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. Intervenante sur la stratégie de booster l'économie congolaise par l'exploitation minière, Mireille Wetchongo, experte en mines, estime que la relance de la minière de Bakwanga Miba et la générale des carrières et des mines Gécamine en est une solution. Oui, les minéraux stratégiques sont là, mais les mécanismes d'accompagnement. Si l'État peut s'organiser de manière à ce que les mécanismes d'accompagnement soient dans les normes, je pense que les effets d'entraînement seront qu'il y aura quand même un développement au pays. Ceci étant, il importe de miser sur la défense des intérêts de la République démocratique du Congo contre les spéculations mondiales sur ces minéraux stratégiques. Telle est la résolution phare de ces forums. L'exécutif provincial du Haut-Uele vient de déposer le projet des 10 portant reddition des comptes du budget pour l'exercice 2023. On fait le point avec Nancy Poba Moutaba. C'est le ministre provincial des Finances, François-Xavier Koubélé, accompagné du chef de division de la reddition des comptes de la province du Haut-Uele, Élie Divin Chéria, qui a, au nom du gouverneur de province Christophe Basséané-Nanga, déposé le dit projet au niveau du greffe de la Cour des comptes. À tout seigneur, tout honneur, le ministre provincial a tenu à présenter ses civilités au premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, qui
a été agréablement surpris du fait que la province du Haut-Uele ait intériorisé sa démarche pédagogique consistant à sensibiliser les provinces et autres entités à la transmission dans les délais requis des différents documents exigés par la Cour des comptes. Nous avons reçu la documentation à notre tour. Nous allons travailler. Vous êtes dans les délais, à ma connaissance. Ça, c'est 2023. Bon. On peut y être déposé. Vous êtes vraiment dans les délais parce que chaque année, nous allons jusqu'au-delà du mois de juin. Donc ça, c'est un bel exemple à suivre. Au sortir du cabinet du premier président de la Cour de comptes, le ministre provincial des Finances s'est confié en ces termes. Par rapport aux recettes, nous avons, la province, nous avons réalisé un taux d'exécution de 92% des recettes propres de la province. Par contre, la part des recettes à caractère national allouée à la province du Haut-Uele a connu un faible taux d'exécution de 32%. Et par rapport aux ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation, en tout cas l'exécution était nulle. Alors, par rapport aux dépenses, surtout les dépenses d'investissement, cela a aidé le gouvernement provincial à réaliser quelques actions de développement d'intérêt communautaire. La Cour des comptes exhorte les autres provinces et entités à suivre l'exemple de la province du Haut-Uele pour lui permettre de mener à bien ses contrôles. Environnement, les travaux de cerclage dans les sites de Lankoko, province du Haut-Katanga, ont été lancés par les directeurs généraux du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, et ce, pour prévenir les feux de brousse. Sylvie Mouembo nous en dit un peu plus. L'urgence s'impose pour restaurer une approche nouvelle dans la gestion environnementale. Le directeur général du Fonds forestier national en a bien conscience. De son retour des États-Unis d'Amérique, Honoré Moulumba Kalala, guidé par le sens du devoir et la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son secteur, ainsi que le qualificatif qu'il porte de bâtisseur, est arrivé dans le Haut-Katanga, précisément sur le site Lankoko, pour procéder au lancement des travaux de cerclage en vue de prévenir contre le feu de brousse. Le travail est fait et on a parlé de 12 500 plantules. Nous avons essayé de marcher, mais on n'a pas tout terminé, mais on a quand même vu. Une seule difficulté, c'est par rapport au garnissage, mais beaucoup plus par rapport à l'entretien. À travers le projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, Honoré Moulumba Kalala a été plébiscité meilleur directeur général ayant un leadership transformationnel basé sur les résultats par l'ONG Ensemble pour l'environnement. Les Lolaba, son environnement est systématiquement dégradé suite aux activités liées à l'exploitation minière, notamment la perte des milliers d'hectares d'arbres, les pollutions des rivières, causant des multiples maladies pulmonaires, les vomissements du sang, les cas de malformations congénitales, etc. Toujours dans les Haut-Katanga, l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, s'est rendu à Lufira, dans les territoires de Kambov, pour palper les réalités de cette route agricole. Lufira, qui a une capacité de 80 hectares, regorge une diversité de plantes, soit 600 plantes par hectare au profit de l'écosystème congolais. Il a aussi pris acte de l'effectivité des travaux de reboisement, lesquels ont été réalisés avec succès. Diversification de l'économie à travers la création des chaînes de valeur dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la voix de la République démocratique du Congo a été portée au Forum sur les investissements africains à Paris en France par l'Agence nationale de promotion des investissements. ANAPI, notre envoyé spécial à Paris, Patrick Michel Mukui Ekuka, nous en parle dans ses reportages. C'est bien plus qu'un simple état des lieux sur les investissements français en Afrique qui vient d'être fait ce jour à Paris au cours du grand forum organisé par le CIAN en collaboration avec le Pignon. Des centaines d'hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des officiels français et de quelques pays africains étaient présents. Ce forum sur les investissements en Afrique a donné lieu dès l'ouverture à un débat de fond sur la révisitation et le développement des investissements français dans l'économie africaine. La République démocratique du Congo a, elle, marqué sa particulière présence d'abord par un entretien de premier plan avec le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, M. Anthony Kinzo, qui a étalé en longueur la vision congolaise du développement des investissements avec un accent sur la diversification de l'économie par le développement de la chaîne de valeur.
La stratégie du président de la République, c'est la création de la chaîne de valeur. Nous ne pouvons plus, nous, vivre sur le fait qu'il faut avoir de l'exportation des produits bruts. Ça, c'est fini, cette histoire. Il faudrait que nous puissions avoir une création de chaîne de valeur, faire en sorte que les retombées des minerais, des minéraux que nous avons, puissent être redistribués auprès et au sein de la population locale. Et il y tient, il veut que ça soit ça. Et la loi a été mise en place dans ce secteur-là, et la loi est en train d'être opérationnalisée. L'autre chose sur la question des minerais, c'est que nous devons savoir quel est aujourd'hui l'intérêt de la RDC dans les différents contrats qui sont présentés. Et c'est à ça que nous travaillons. Et je peux vous dire, c'est dans ces directions que nous partons. Création de la chaîne de valeur, respect des droits de la RDC, et aussi une transformation locale des différentes matières premières. Ici à Paris, la présence congolaise est bien remarquable cette semaine dans les salons d'hommes d'affaires, une présence qui pourrait s'accentuer dans les jours à venir, le pays étant très ouvert aux investissements étrangers, notamment ceux européens. Et cette mission congolaise vient donc poser le pavé à la visite imminente du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ici à Paris, en France, une visite aux grands enjeux et qui pourrait pratiquement repenser les relations économiques entre la France et la République démocratique du Congo autour des investissements. Dans la province de Lomami, j'en parlais dans les titres, et le processus d'octroi des cartes biométriques aux agents publics se poursuit normalement bien, et c'est dans le but d'assainir l'ancien fichier des payes. Les directeurs de la base des données numériques des ressources humaines de l'État et recensement, Justin Mutumosi, qui a séjourné à Cabinda, a été reçu par le gouverneur ad intérim de cette province à ce sujet. Comme à l'accoutumée, le directeur de la gestion de la base des données numériques des ressources humaines de l'État et recensement, venu du ministère de la fonction publique, Justin Mutumosi, accompagné du coordonnateur provincial du projet Encore, Emmanuel Kibaya, a été reçu par le gouverneur intérimaire. Objectif, lui annoncer la mission qui l'amène à Lomami. Nous avons rencontré l'autorité provinciale pour circonscrire les cadres de notre séjour qui tient à l'assainissement chez les références de l'administration publique. Sans réponse, Justin Mutumosi s'est rendu à la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial où se déroule l'opération des contrôles biométriques des agents et fonctionnaires de l'État, de la ville et du territoire de Cabinda. Ici, les opérations avancent à pas de géant, selon les explications lui fournies par les contrôleurs. Même chose dans d'autres entités où les missionnaires de la fonction publique y travaillent d'arrache-pied. Avec un agenda chargé, le directeur Justin Mutumosi a échangé dans l'après-midi avec les chefs des divisions provinciales de Lomami au sujet de l'assainissement du fichier de référence de la fonction publique. Grâce à l'appui technique et financier du projet COREF Encore, ses responsables des services ont été prévenus sur bon nombre de fautes administratives. Il s'agit notamment des cas des agents qui utilisent des matricules d'emprunt. Il y a des ceux qui sont carrément des fausseurs. Il y a des cas des doublons, et ainsi de suite. Après le jeu de questions-réponses sur plusieurs questions administratives, s'en est suivie la cérémonie de remise de brevets à la première cohorte de jeunes professionnels JPO en sigle. Cela en présence des autorités politico-administratives. Et dans la province de la Tchopo, les préparatifs des élections des sénateurs et gouverneurs vont bon train. Parmi les candidats à la course figure Augustin Osumaka, comme les témoignent ces reportages. Les préparatifs vont bon train pour les élections des gouverneurs et sénateurs dans la province de la Tchopo. Augustin Osumaka affirme détenir la thérapie nécessaire pour sortir la Tchopo du gouffre. Nous sommes là au chevet de notre mère qui est malade de la Tchopo. Et que parmi les médecins recrutés, notre ticket s'y retrouve. Je suis accompagné de mon gouverneur qui va m'assister dans cette thérapie-là pour guérir la Tchopo. Notre maman qui est malade de la Tchopo a ses responsables. Et c'est au responsable de la famille qui va choisir parmi les médecins qui sont venus. Nous sommes 20 bien sûr. Il y a des pédiatres, il y a des gynécologues, il y a des généralistes, il y a toutes sortes. Mais c'est le parent, le responsable, qui est représenté par nos élus provinciaux, qui sauront choisir quel est le médecin attitré pour guérir cette maladie que souffre notre maman, la Tchopo. Voilà, dans un premier temps, c'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes venus au chevet
de notre maman et elle doit nécessairement guérir. En sport, le gouvernement de la République poursuit avec sa politique de construction des infrastructures sportives municipales, comme l'illustrent ces reportages de nos confrères de la rédaction sportive Willy Kandé et Bonheur Mafouana. Mû par les soucis d'apporter un divertissement sain à sa population et surtout contribuer à la pratique rationnelle du sport dès le bas âge, le gouvernement de la République a résolu de construire des infrastructures sportives municipales dans certaines communes de Kinshasa avant de les dupliquer dans les provinces. L'école Babouda de Kinkole ainsi que le terrain Soukissa de la même juridiction seront érigés en salles de sport et en stade. Nous disons grandement merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir songé ici, et au niveau de la province éducationnelle Kinshasa Plateau, pour construire les infrastructures scolaires. Grandement merci aussi au ministère des Sports aussi. Nous sommes enchantés de ce programme et je crois que nous sommes très chanceuses que notre site puisse être choisi. Vraiment, c'est un bon programme qu'on puisse préparer aussi les enfants dès la base au sport et surtout la fille pour faire aussi l'honneur des femmes de la République démocratique du Congo. Cette construction se fera en partenariat avec